Bonjour. Vous êtes encore occupé? Non, c'est bon, vous pouvez y aller. Non, parfait. Ouais, t'as raison, je vais dire ça. Oula, excuse-moi. Oui. Excuse-moi. Il y avait une mouche. Là, yo. Ouais. Parce que j'ai pas envie que tu me retapes une deuxième fois. Ouais, elle est juste là. Alors, je t'envoie un petit message. Donc moi, c'est Jason. Ça roule. Et voilà, je t'ai envoyé un message. Mon numéro, c'est 9999. Hello, friend. Donc, au pire, tu l'auras reçu, je crois. Ouais, ok. Bon bah écoute, je te laisse... T'as pas encore de boulot ? Non. Non, 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 non. Si je peux te conseiller, il y a le CDT. C'est une amie à moi. So tell me, how far do you wanna go now? Hey, and then we rat ta 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 when you pop out, pow, wow, wow. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tu t'es planté. T'as mal négocié le virage ou t'as négocié le virage? J'ai mal négocié le virage. C'est quoi le problème? Ouais, j'ai dit c'est quoi le problème? Bonjour. Et bonjour. Oh, il m'est arrivé une sale embrouille. Je vois ça, ouais, effectivement. Allez, suivez-moi, on va retourner en salle. Je vais vous ausculter un petit peu pour regarder ça. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé, dites? Bon, je pense que j'ai voulu jouer au plus con, mais oui. J'étais pas en posture. Sur le coup, je me suis senti pousser des ailes. Je vous explique. Oui, dites-moi. Vous m'avez récupéré comme ça. Du coup, vous avez soif, vous avez faim? C'est peu de le dire. D'accord. Okay. Du coup, on va faire simple. Je vais juste vous ausculter un tout petit peu. Ouais. Bougez pas, va vérifier que vous allez bien. Alors je vais respirer un petit peu, un port, je vais écouter déjà vos poumons. Un peu plus fort, ouais, c'est parfait. D'accord. Je vais relever un petit peu votre manche et puis je vais prendre un petit peu votre rythme cardiaque. Bon, n'hésitez pas à passer ici dès que vous saurez vous situer un petit peu dans la ville si jamais vous avez besoin de quelque chose. Sinon, passez au LSPD. Essayez de monter au gouvernement. Je pense qu'il y a peut-être un véhicule qui vous attend quelque part. Ok. On a en général des véhicules sans permis qui sont prêtés par le gouvernement quand on arrive. Ok. Voilà, il y a de quoi faire. N'hésitez pas sinon à repasser par ici. Bonsoir. Bonsoir, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai percuté une voiture, je suis sorti de mon véhicule et c'est ma voiture juste en face. Oui. La personne s'est pas arrêtée, elle m'a laissé là, j'ai le genou fracturé. Et vous avez plus du tout à bouger le genou? J'ai pas compris. Vous arrivez plus du tout à bouger le genou, tout ça? Non. Vous êtes fracturé? Ouais, c'est ça. Ok. Bah je vais rapprocher la ambulance. Bougez pas. Je suis pas en mesure de faire une blague, mais j'espère que il y avait une caméra de recul. J'ai eu peur pour ma vie. Oui, oui, je suis une pilote. Mais non, montez dans le sens comme vous dites souvent. Même si j'abandonne votre voiture, c'est risque de partir. Ils viennent de prendre l'appel. Oh, coach. Prends le bloc. Oh. Ok, je vais vous aider à vous déshabiller. On va vous installer sur le lit, on va vous faire une radio. Très bien. Je vais vous donner un antidouleur quand même. Oh, vous voulez une confidence? Je vous écoute. C'était pas ma voiture. Ça, fallait le dire avant qu'on appelle le bénis, ça nous aurait fait gagner du temps. C'est vrai, mais
On n'a pas les idées au clair quand on vient de se faire percuter, je suis désolé. Ok, donc là je fais la radio. Faut juste pas bouger pendant 5 minutes d'image, d'accord? Ok. Reviens. Ok, comment ça va avec l'antidouleur? Ça va beaucoup mieux, merci. D'accord. Donc à la radio, oui, on voit qu'il y a une petite fissure sur la rotule. Donc ça, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas besoin d'opération. On va juste mettre une attelle pour mobiliser le genou. J'imagine, ouais. C'est qu'une fissure, je m'en tire bien. Oui. Hop. Après, à côté de ça, ben, du repos, de la glace en cas de douleur. Et on s'est surélevé la jambe. Voilà. Donc du coup, là, avec l'attelle, vous ne pourrez pas... Vous pouvez pas conduire, vous pouvez pas courir, et je vous ai pas demandé, du coup vous avez pas du tout de travail pour l'instant? Non, pas du tout. Enfin, j'ai pris un travail en tant que joaillier, mais c'était rapidement pour avoir vite les sous, quoi. Okay. Tant donné que c'est un peu le nerf de la guerre. Mais je regrette mon choix, je suis plus quelqu'un qui aime être au contact des gens. Avec des collègues, tout ça, qu'un travail solitaire comme celui-ci. Oui, oui, c'est sûr, mais qui est pas en pas, oui, on croise pas grand monde. Non. Hop, je vais vous aider à vous habiller. Je vous laisse là 2 secondes, je vais chercher une canne, ok? Très bien, merci. Est-ce que vous auriez un brin d'eau pour que je me rince la bouche? Merci. Je laisse vous relever. Oui. Ok, hop, je vais vous donner une canne, ce sera plus pratique pour marcher. Yes. Par contre, normalement, on fait payer une caution de 400$. Donc 400$. Ouais, ouais, on vous la rendra, qu'on vous rendrait la canne. Mais du coup, je sais pas, si vous avez, est-ce que vous avez 400$? Non, j'ai 190$. Attendez, je reviens. Mais ça va aller. Excusez-moi, je vous interromps. Oui. Ça va aller, je peux marcher. Je vais juste pas faire de folie pendant la convalescence. Ok? Non, ouais. vous allez garder la canne. Non, vous gardez la canne. Mais ça m'embête, j'ai pas l'argent pour la caution. Oui, c'est qu'une caution, c'est... Ouais. Soit vous demandez à des personnes que vous connaissez de payer la caution, soit on se porte garant, mais si jamais il y a un souci avec la canne, c'est nous personnellement qui viendrons vous embêter. Je vais prendre la deuxième option puisque j'ai pas d'amis. Je viens d'arriver. Eh bah, faites attention avec la canne, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Très bien. Oui. Bon, bah, je vous remercie pour oui. L'attention. Du coup, ouais, on va repasser demain pour faire un point, voir si ça se répare bien, d'accord? Ok. Très bonne soirée. Oui. Bonsoir. Libéré. Hop, on va remonter au rez-de-chaussée. Hop, du coup, je vous laisse voir. Devant, il y a une borne pour appeler un taxi. Ok. Je sais pas si on aura un à cette heure-là. Ok. Ça reste entre nous, l'histoire pour la voiture? Oui, oui, oui. Ok. Bon, merci beaucoup. Évitez quand même. Oui, les démons de minuit, on va dire ça. Après, si un jour vous avez l'occasion, essayez de passer au gouvernement. Ils peuvent donner des tickets de transport aussi. Donc, ouais, juste, pour ouais. L'instant, c'est gratuit, mais après, vous pourrez faire ça aussi un petit peu en minuit. J'y suis allé 2 fois déjà aujourd'hui. Et... Oui, aujourd'hui, je crois qu'il n'y avait personne. Je me suis pris des lapins, ouais. Ah oui. Ok. Allez, venez. Bon, je redire ce que j'ai dit, hein. C'est quand même utile la canne. Ah oui, c'est sûr. Fin de soirée. Oui, merci. Au revoir. Me déposer à un endroit, j'ai une attelle, je peux plus conduire. Vas-y, monte. Merci. Vas-y, c'est que je te pose. Alors attends, bouge pas. Maze Bank Arena. Ok. Allez, parti. Vas-y, merci. Ouais, du coup, quand on a une ATL, c'est compliqué. Non, je t'ai vu prendre de l'SMS. Je te laisse me guider. Ah, ouais. Non, vas-y, tout droit là. Là ouais, la street, là, ouais. À droite là.
Et là tout droit, tout droit, tout droit. Stop. Et là il y a normalement il y a un camtar. C'est stop, stop, stop. Non, on peut pas camtar. Derrière, il peut être derrière. Non, il n'y en avait pas. En gros, je t'explique, je suis joaillier et j'ai eu une embrouille avec un gang et les mecs m'ont pris mon camtar. Et... Ah ben là c'est mort, tu le retrouveras pas. Ok. Bon. J'ai changé de taf de toute façon, c'est pas grave. Ouais, et tu le retrouveras pas. Il va finir tempête, donc il va être embarqué par les unités de ramassage. Ok. Tu veux que je te dépasse quelque part? Tu es allé où? Ah ben là je rentre chez vous. Ok. Bah écoute, dépose-moi en centre, ouais. Tu passes pas loin de Pôle emploi, tout ça, comme ça. Ouais, ça roule. Hop. Renseigne-toi surtout des zones à pas fréquenter, parce que tu verras qu'il y a pas mal de zones où il y a des quartiers et tout comme ça à éviter. Je peux me permettre de te demander ce que tu fais, parce que t'as quand même une caisse sympa. Ça fait longtemps que je suis en ville, surtout. Ouais. Ah, je travaille... J'ai travaillé partout. Là, je viens de reprendre le premier taf que j'avais... Avant, j'étais transporteur de fonds. Alors, il y a la MST. Ouais. Ok. Ouais. Mais de toute façon, en ville, si tu travailles, une voiture comme la mienne, tu l'as très rapidement. D'accord. Faut juste être motivé. Ouais. Ok. Voilà. Ok, bah écoute, je te remercie. Bon, mais bon courage à toi. Comment tu t'appelles? Ah, monsieur Coca. Coca? Coca, c'est ça. Ok, bah moi, c'est monsieur Guiguen. Nah, bon courage à toi, LS. Ouais. Attention à toi surtout.